C'est un vrai besoin de souffler. Prendre une location adaptée pendant nos vacances n'est pas un répit puisque on est toujours là pour aider le malade dans toute la durée du séjour. Donc pour moi, c'est pas du répit. Tandis qu'un village répit famille, c'est vraiment du répit puisqu'en fait, on a l'aide d'aides-soignants, d'infirmières, de supports techniques qu'on n'aurait pas pour des vacances ordinaires avec une location, même si elle est adaptée. C'est un logement très spacieux, accessible dans tous les sens du terme. Et on a aussi la possibilité de retrouver en fait du matériel médical adapté. Un accès en fait par une grande terrasse, un système domotisé donc avec des portes à ouverture automatique, un grand espace de vie avec donc salon, cuisine, une grande salle de bain aussi accessible à tout handicap, douche à l'italienne, un évier accessible fauteuil, toilette domotisée, électrique, deux grandes chambres. Tout est fait pour passer un superbe séjour. Et la sécurité, c'est d'avoir en fait un appel malade dans les chambres. Et donc l'infirmière est à notre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À l'élaboration de la demande pour intégrer en fait le village répit famille, on doit remplir un dossier. Et sur ce dossier, donc, il y a l'aspect médical et prise en charge multidisciplinaire. Et grâce à ça, on peut établir un emploi du temps avec les besoins de chacun, donc aussi bien pour l'aidant que pour l'aider. À notre arrivée, le planning est défini de façon plus précise avec les heures de prise en charge. Et on a aussi la possibilité d'affiner la prise en charge au fur et à mesure du séjour. Il y a des possibilités d'activité ou d'animation. Lors de l'élaboration du projet pour intégrer le village, il y a des propositions qui sont faites. On peut émettre également des souhaits, soit une proposition d'activité avec l'ensemble de la famille ou de façon séparée. Ça permet après d'échanger sur ce qu'on a vécu et d'avoir d'autres sujets de conversation, et chacun peut profiter en fonction de ses souhaits, de ses envies, donc c'est une très bonne formule. L'essentiel et l'important, c'est d'avoir du personnel qui puisse nous encadrer dans de bonnes conditions. Le village répit famille, en tout cas celui d'Essise, rien que le cadre et le fait que la structure médicalisée soit un peu éloignée, mais tout en ayant une sécurité, a vraiment cette connotation et cet esprit vacances. On est dans un cadre de vacances et avec un gros plus, ces aidants professionnels qui seront là autour de nous 24 heures sur 24.